C'est ainsi que nous disons toujours. Et moi, celui qui est au grand le jubilé pour le puissant père du protestantisme en Haïti, 1816-2007. Chers pasteurs, frères et sœurs dans le Christ Sauveur, fils des filles de notre père, en ce premier dimanche de la nouvelle année 2015, au regard du temps de faveur, de bénédiction du berger d'Israël, j'aimerais reprendre avec vous tous la belle exclamation du psalmiste, consignée dans le psaume 116, au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel pour ce qu'il fait envers moi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours de ma bouche. Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite de tout cœur que le pasteur titulaire de cette congrégation évangélique, le monde du corps pastoral, le très révérend docteur Abraham Louvet et leurs familles respectives soient constamment arrosés de faveurs, de grâces divines et bénis au-delà de toutes les vies. Je souhaite également que les membres du Conseil des aînés, les diacres, les diaconesses, les prédicateurs, les maestros, les musiciens, les membres de chorale et de groupe, les moniteurs et monitrices des corps du monde, les membres de différentes associations, les membres communiants, les croyants, ainsi que leurs familles connaissent dans leur vie quotidienne le toucher salutaire du Christ Sauveur et Régénérateur. Je souhaite de tout cœur
que le Dieu de la plénitude et des grâces surabondantes déverse sa pluie fertilisante et enrichissante sur cette congrégation évangélique. Je souhaite que le Dieu de toute consolation et de grande miséricorde inonde de grâce, de paix et de bonheur les coins les plus reculés de notre planète. Que le règne de l'injustice, de l'oppression, de la tyrannie, de la barbarie disparaisse de la surface du globe. Que la méchanceté, l'iniquité, la fausseté, la raquette, la violence, le chirétique, cède la place à la droiture, à la justice, au partage équitable. Que la ruse, le bluff, l'entente, cède le pas à la réconciliation, au pardon mutuel. Haïti, cette terre de calamité et de désespérance, devienne en notre Seigneur Jésus-Christ le pays de la promesse, la perle des Antilles. Que les Haïtiens de toutes tendances et de toutes conditions d'existence s'embrassent dans la paix, l'harmonie, le pardon et l'amour, et rebâtissent ensemble les murs de la cité dévastée. Que ton règne, ô Seigneur Jésus, vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Que cette nouvelle année 2015, commencée sous le regard du Seigneur, soit pour nous tous une année fructueuse, bénie, une année de foi, d'amour, de bienveillance, de marche ascensionnelle, paix, longévité, prospérité, santé, bonheur et vie abondante, dans le Christ éternel. Amen. Chers frères et sœurs, apprêtez à l'hébreu Jobel, Paul, Bélier, Trompette, le mot jubilé désigne une grande tonalité publique de la loi mosaïque. Célébrer tous les 50 ans en Israël, annoncé au son de la trompette, et à l'occasion de laquelle les peines et les dettes étaient remises. Par la suite, le mot jubilé se laïcise en désignant la fête célébrée à l'occasion du 50e anniversaire de l'entrée dans une profession du 50e anniversaire d'une association d'une église, le premier jubilé de l'église chrétienne remonte à 1300. Dans l'Ancien Testament apparaissent deux institutions légales, l'année sabbatique et le jubilé. Pour Apex, en donne le détail. Le livre de l'Exode, dans le livre de l'Exode, est-il écrit, on travaillera 7 années. Puis on se reposera, on laissera reposer la terre. En Deutéronome 15, au temps du roi Josias, il nous est présenté un temps de réunion sans condition.
le livre de Lévitique parle des années sabbatiques et du jubilé qui prescrit des quatre opérations. La jachère pour le repos du sol, la remise des dettes, la libération des esclaves, le retour de chacun dans son patrimoine. En Lévitique 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera un jubilé. Je vous accorderai ma bénédiction. Chers frères et sœurs, quelle a été la signification du jubilé dans la vie du peuple d'Israël? Dans son interprétation biblique, le jubilé commençait le jour de l'expiation. Le jubilé était une occasion de réconciliation de l'homme avec Dieu et avec son prochain. Il supposait un nouveau départ, une occasion de rencontre, de partage, de ressourcement. Le jubilé était un retour à l'ordre de la vie, de la communauté, instituée par la volonté de Dieu. Le retour à l'alliance avec Dieu. Une réorganisation et une orientation de la vie. Il appelait au peuple la sortie de la maison de servitude d'Égypte pour entrer dans la maison de la vie. Le jubilé est une invitation à se libérer des liens du passé, à se retourner vers le futur et à se servir de la promesse de vie. Le jubilé est un appel au pardon mutuel, à la réconciliation, à la restauration de la communion. Le jubilé est une occasion d'appeler les serviteurs de Dieu à vivre pleinement leur foi. C'est une année de consécration à Dieu, une grâce exceptionnelle, un temps de consécration. C'est Dieu qui a le droit de propriété absolue. Le pays dit le Seigneur est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. L'Éternel des armées se fait entendre en ces termes en Lévitique. C'est de moi que sont les enfants d'Israël. Le jubilé s'attaque à d'inégalités sociales, à d'inégalités diverses, à de grandes disparités. Le jubilé vient rétablir l'égalité et accorder une deuxième chance aux dépossédants. Qu'en est-il de la célébration de la pratique du jubilé en Haïti et dans le protestantisme? Frères et sœurs, dans l'espérance, le jubilé est une occasion d'action de grâce, une occasion d'évaluation de nouveaux départs, une occasion d'engagement ferme et de rendre gloire à Dieu pour toutes ses œuvres. Durant 211 ans d'existence, le peuple haïtien